dans son coéquipier. Laisse faire Farmer. Farmer s'approche. Tire la passe. On a beaucoup de temps pour faire un tir, mais on ne tire pas. Et le but! Farmer. No 107. Alors qu'on attendait pour faire le tir et lors du 7e tir. Et à la fin du désavantage numérique, les Remparts s'inscrivent à la marque. C'est 1-0 alors qu'il reste 13 minutes 41 à faire en première période. Et oui, Farmer avec beaucoup de temps pour prendre son lancer. 10 minutes pour obstruction à 17 minutes 29 secondes. Finalement récupéré par Mariala. Mariala, par son coup de pied. Tentative passe et finalement, dans une glissade de Dion, malheureusement, le jeu s'est complété. Et c'est un deuxième but ce soir. Et c'est, cette fois-ci, c'est par le numéro 19, Mickaël Huchette. Alors, 2-2. Au 18, Viala Mariala à 17 minutes 43 secondes. Gravel circule, Gravel tire le but. On a laissé Gravel circuler à travers la défensive des Voltigeurs à sa guise. Et un tir plus que précis. Et c'est maintenant 3-0. Ça se complique là, pour nos Voltigeurs déjà en première période, fin de première, 3-0. 2 contre 1, Huchette et Gravel. Gravel, le tir et le but. Alors que quatrième but en l'espace de 3 minutes. L'amoureux. Passe vers Dion. Dion. Quand un tir dévié, c'est but! Alors que l'action venait de reprendre, on a eu un tir de la pointe fait par Dion. Très rapide sur son bâton, donc c'était plus difficile. C'est Rod qui récupère. Rod, par contre, mise en échec. Et c'est Malatesta qui récupère. Malatesta tire! Et le but. Gaucher. Porte le compte 5-1. On a été empêtrés dans notre territoire. Et malheureusement, les Remparts en profitent pour en appuyer Gauthier. Qui devait malheureusement se méfier de Roy. Roy s'amène. Avec son coéquipier. Par gaucher, le tir! Et le but! En chutant, Gaucher a poussé la rondelle sous Mercer. Et c'est un sixième but. 11 minutes 47 à faire en deuxième période. Malgré l'avantage numérique là, de Novelchon. On a beaucoup de temps pour s'organiser du côté des Remparts. Honnêtement, on est débordé du côté de Voltigeur. C'est Rochette qui récupère. Rochette. Vers Bolduc, le tir et le but. On le mentionnait, ce n'était pas une entrée en matière facile pour le gardien des Voltigeurs. Et malheureusement, face à son premier tir, c'était un tir, disons-le, parfait. Puis j'aime pas non plus là, qu'est-ce que j'ai vu. Jouer trois gardiens, malheureusement, trois joueurs plutôt. Malheureusement, c'est un 2 contre 1, Roy avec Gaucher. Gaucher, oh, fait une déviation, mais avec son patin. Et c'est une rondelle qui se retrouve tout seul. Oh! Et avouons-le, Lambert vient de sauver un but. Accepté par Rochette. Bolduc le tire et le but. Malheureusement pour Lambert, et la mitaine était là et elle a percé la mitaine. Effectivement, là, on avait comme l'impression que, là, que la mitaine n'était pas, je veux dire, solide, là, était molle, si on peut dire. Là. La bande, finalement, c'est intercepté. C'est Huchette qui récupère. Huchette avec Gravel. Tire et le but. On a eu beaucoup de difficultés. Kinney tente de déjouer Crevier. Kinney tire la passe. Oh! Quelle passe ici de Kinney vers côté qui a pu décamper. On sentait presque la frustration sur ce but. Et c'est maintenant 9-2. Oui, c'est Kinney qui était très combatif le long de la rampe. Là. Il a évité une mise en échec. Là. La part du joueur des Remparts est en mesure de retrouver. Assurer que la rondelle allait sortir. Et c'est Huchette qui récupère. Le rondelle qui se retrouve devant Dion. Le tir désespéré, mais il fait l'arrêt. Wow! Quel arrêt de Rousseau en ce moment, un des spectateurs. Il vient mettre un arrêt à la reprise. C'est Baudry qui récupère. Baudry vers Madigan. Madigan vers Charon. Passe-moi le tir de Charon. Et il fallait qu'on en parle plus tôt pour que Charon, finalement, marque un but. Et c'est maintenant 9-3. 9-3. Je sais pas si c'est la magie du bâton qui a été fait, mais Charon, il a changé son bâton. Il est en mesure de mettre la rondelle au fond du filet. Donc,